Quelle joie de fêter avec vous notre 40e anniversaire. Il faudra bien un jour que nos autorités regardent la réalité, celle toute simple qui saute aux yeux. Nous sommes des catholiques ordinaires voulant pratiquer la forme extraordinaire. Ce pèlerinage, avec beaucoup d'autres événements à la Pentecôte, manifeste la vitalité spirituelle qui existe dans notre pays et comme évêque, à la manière des apôtres, je suis heureux de pouvoir l'encourager et le bénir. Je crois que sur le chemin de Chartres, on a bien invoqué Notre-Dame de la Sainte Espérance. C'est un combat spirituel de persévérer dans l'espérance. C'est le Christ qui nous en rend capable par son esprit, l'esprit dont la Pentecôte nous permet de faire mémoire du don à l'Église naissante, ce don toujours vivant, toujours décisif. Donc nous avons à être aujourd'hui, plus que jamais sans doute, des hommes et des femmes d'espérance. L'aventure du pèlerinage a traversé les années. Les générations se sont succédées depuis 1983. Les anciens ont connu les persécutions, puis la paix liturgique sous les papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Les jeunes pèlerins découvrent avec stupeur la dureté glaciale du motu proprio Traditionis Custodes. Vous avez hérité de cette société sans Dieu, vous devez élever vos enfants et transmettre la foi pour leur salut, ce qui engage le vôtre. Comment, dans la situation actuelle, peut-on vous reprocher de choisir des paroisses, des prêtres, des catéchismes et des écoles traditionnelles? Nous supplions le Saint-Père de regarder la vie quotidienne des catholiques. Nous ne sommes pas des théologiens subtils, de grands exégètes, des intentions de Vatican II, ni des liturgistes raffinés. Nous sommes de saintes familles catholiques, voulant rester catholiques dans un monde qui ne l'est plus. Thank you.
de Chartres. Pendant ce pèlerinage si difficile, vous avez répondu à l'appel du Christ et de la Sainte Vierge. La grâce passe par les pieds, la joie passe par les cœurs. Ils sont venus par milliers, adultes, familles, enfants, bénévoles, tous pèlerins, tous en quête de Dieu, réunis par Marie. Ils sont venus par milliers, adultes, familles, enfants, bénévoles, tous pèlerins. Ô Mère, voici vos fils qui vous aiment et qui marchent. Ô Mère, vers votre fils, conduisez vos enfants. Portés par la gaieté des chants, portés par la beauté de la liturgie, un temps pour la prière et pour l'enseignement, tous en quête de Dieu, réunis par Marie. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Notre-Dame de Chartres, priez pour nous.